Quelle est la valeur de x sur cette figure imprécise? Ce que nous cherchons donc, c'est cette amplitude commune à ces trois angles. Dans ce triangle-là, nous savons que la somme des angles internes vaut 180 degrés. Par conséquent, cet angle-là, ça doit être 110 degrés moins x. Et comme cet angle-là et celui-là sont deux angles opposés au sommet, c'est que cet angle-là doit avoir la même amplitude que celui-là. Dans ce triangle-ci, la somme des trois angles internes donne de nouveau 180 degrés, et par conséquent, cet angle-là vaut 100 degrés moins x. Et comme cet angle-là et cet angle-là sont deux angles opposés au sommet, c'est que l'amplitude de cet angle, c'est également 100 degrés moins x. Et à l'intérieur de ce triangle-là, la somme des trois angles vaut 180 degrés. Ce qui signifie donc que 110 moins x plus 100 moins x, c'est 180. Et de cette équation, nous déduisons de suite que x doit être égal à 30 degrés. C'est donc A, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une question suivante de l'Olympiade mathématique.